Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, de nouvelles informations sur le jeu de Visceral Game de Star Wars qui arrive en 2018. C'est grâce à la source de Star Wars Newsnet.com qui nous ont dévoilé quelques petites informations justement sur ce jeu. Donc, premièrement, sachez par exemple que ce ne sont que des rumeurs avec des sources qui n'ont pas été confirmées par EA. Donc, oui. Ce ne sont que des rumeurs, mais ça reste quand même très intéressant d'en parler, et euh, très fun d'en parler surtout. Donc, le jeu de virtual Game, comme vous le savez, est créé par Amy Hennings, et ça arrive en 2018. C'est dans l'univers de Star Wars, et ça sera sur Tatooine, bien sûr. Amy Hennings a travaillé sur la série Uncharted. Il y a aussi James Raymond, qui a travaillé sur Assassin's Creed, qui travaille sur ce projet. Donc, on peut s'attendre à un très, très bon jeu en... Euh, en solo, c'est-à-dire avec une excellente campagne. Eh bien, les dernières sources qui nous ont euh, été données dernièrement ont confirmé que, à la base, le jeu était supposé être sur Han Solo. En effet, le jeu sort, théoriquement, pas mal en même temps que le film, le spin-off de Han Solo en 2018. Et le jeu était prévu d'être sur une histoire de Han Solo aussi. Par contre, ils ont remarqué que ce n'était pas une excellente idée de faire un jeu sur Han Solo alors qu'il y avait un film qui sortait en même temps, parce que ils, euh, trouvaient qu'il rassemblait pas mal les mêmes idées que le film et du coup, ça perdait un peu de la valeur dans le jeu lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont complètement refait le jeu, à ce qu'il paraît, il y a euh, un certain temps, hein, ça fait déjà un, un certain moment. Donc, à la base, oui, à la base, 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 base du jeu, c'était sur Han Solo, mais finalement, ils ont pris une autre direction la direction dans laquelle nous allons avoir une histoire sur un contrebandier euh, complètement nouveau que l'on ne connaît pas. Donc à la base ça revient pas mal à la théorie que nous avions sortie il y a plusieurs mois. Un nouveau personnage que l'on ne connaît pas. Hein, même peut-être plusieurs personnages que l'on ne connaît pas. Et donc ça sera autour de ce contrebandier et peut-être d'autres contrebandiers euh, que l'histoire va se baser. C'est très cool. Euh, de toute façon on a toujours voulu... Avoir soit une histoire de contrebandier ou de chasseur de primes. Donc là, c'est le moment parfait. Et on le sait, l'histoire va être en effet sur plusieurs personnages pour accomplir un objectif précis. Euh, une histoire complètement nouvelle sur des nouvelles planètes, et des nouvelles technologies, de nouvelles races. Ça va être énorme de découvrir beaucoup plus d'informations sur euh, l'univers de Star Wars. Bien sûr, une grande partie sera sûrement sur Tatooine comme... Euh, la petite vidéo que nous avons eue le démontre. Mais voilà, ça va être très excellent, je suis certain. Bref, selon leurs sources, et encore une fois ici, ce n'est que des rumeurs, mais selon leurs propres sources, euh, l'histoire du jeu sera complètement développée par Lucasfilm eux-mêmes. Donc, oui, c'est LucasArts eux-mêmes qui font l'histoire de ce jeu, supposément. Hein, mais euh, ça reste que ça pourrait ajouter. Euh une excellente, excellente campagne à ce jeu. En tout cas, j'ai très hâte d'en savoir plus. On sait que on aura peut-être peut-être des informations à lire et play cette année en 2017. En juin 2017, mais on verra, ce n'est pas confirmé. Par contre, le fait d'avoir une histoire sur un contrebandier, ça serait complètement génial. J'ai très 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 hâte d'en savoir plus. Hein, d'avoir une histoire autre que euh, l'histoire normale de Jedi que nous avons tout le temps. Là, on aurait vraiment un mec qui pourrait en effet être super badass à jouer. Et euh, bon, en même temps, en 2019, nous avons le fameux jeu de Clone Wars qui arrive avec, soi-disant, soit des Jedi ou des Sith dans la trilogie hein, Clone Wars. Donc, 2018 sera avec une histoire de contrebandiers, peut-être une équipe de contrebandiers, je ne sais pas trop. Mais bon. Ça va être super cool, je suis certain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Sinon, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.